أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله louange à Allah le maître du temps et des circonstances Allah le créateur des cieux et de la terre maître de l'univers Nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que tous les membres de sa famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. Alhamdulillah, nous allons continuer avec notre séance d'exégèse des versets du Saint-Coran. Précisément la sourate Al Imran, on va continuer avec la suite du tafsir de ce mois béni de Ramadan de l'année 1445, Inch'Allah. Je m'excuse d'abord pour le bruit qui est juste à côté, il y a des travailleurs qui sont juste à côté là, des menuisiers qui travaillent, donc il y a un peu de bruit, mais Inch'Allah on fera avec. Bien. Donc, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Après avoir cherché refuge auprès d'Allah contre la tentation du diable banni, le shaitan, nous commençons notre noble travail de par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Allah dit, « Qul » et dit, « Dis, « Ati'u Allah wa Rasoul » et dit, « Ati'u Allah wa Rasoul » obéissez à Allah et obéissez à son messager. Ce verset est un verset très profond. Quand il dit obéissez à Allah, alors personne parmi nous ne connaissait Allah sans la venue du messager. Personne n'a connu Allah de lui-même. Il a fallu la présence du messager parmi nous, qu'Allah lui-même a choisi, à qui il s'est révélé et ensuite, à travers le prophète, alayhi salatu wa salam, a voulu que nous puissions le connaître. Donc, il s'est d'abord révélé au prophète et ensuite a envoyé celui-ci, donc donner son enseignement à ses semblables. Donc, obéir à Allah, il faut obéir au messager. Et comme Allah le dit, quiconque obéit au messager, obéit automatiquement à Allah. Parce que le messager, alayhi salatu wa salam, n'a rien enseigné venant de ses propres pensées, ni ses suppositions, ni ses imaginations, ni sa passion, etc. Tout ce qu'il a enseigné n'était qu'une révélation de la part de son Seigneur. Il n'a rien sorti de lui-même qu'il a inventé concernant la religion, etc. Donc, quiconque obéit au messager obéit donc automatiquement à Allah. Et quand je vois des gens qui disent non, nous on ne travaille pas avec les hadiths, nous on s'en fout de tout ce qui vient. Donc, qu'Allah Rasulullah, le prophète a dit, etc. Et c'est seulement que le Coran. Comme vous les connaissez bien, on les appelle les coranistes. Bon. Alhamdulillah, je pense qu'il y a tellement de versets dans le Coran, tellement de versets qui existent dans le Coran qui prouvent clairement et qui montrent la véracité et qui montrent encore la crédibilité et qui légifèrent, en d'autres termes encore, l'utilisation des hadiths authentiques. Ça, il n'y a même pas de débat. Tellement de versets coraniques, comme la sourate 16 à partir du verset 44, comme Allah le dit. « Wa anzalna ilayka zikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim » Parlant au prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « C'est ainsi que nous t'avons révélé le rappel qui est le Coran, afin que tu expliques aux êtres humains
la meilleure façon, ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Donc Allah, il donne le Coran au prophète, salam, et lui dit, explique aux êtres humains de la meilleure façon ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Donc, le Coran est là. Allah, il pourrait le faire descendre comme une pluie, tel que quand il pleut là, il pourrait faire tomber le Coran comme ça, verser ça, chacun allait ramasser pour lui dans sa cour, commencer à lire, comprendre de sa manière, pratiquer sa religion comme il le veut. Non. Mais il donne au prophète le Coran et il lui dit, va explique aux êtres humains ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Donc le Coran a son explication. Le Coran est là, mais il a son interprétation, son explication. Son explication maintenant, tu le trouveras dans les hadiths, etc., etc. C'est ça, on t'appelle le tafsir, donc l'exégèse. Et tu vas trouver l'explication dans les hadiths authentiques, des versets coraniques. Donc, il y en a plein de versets. Comme Allah le dit, « Wa ma ataakum rasul fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu famtahu. » Et de ce que le messager vous donne, prenez, n'hésitez même pas. Ça vient d'Allah. Et ce qu'il vous il décide de ne pas vous donner, il dit éloignez-vous-en. C'est clair. Donc, il est un excellent modèle pour nous, comme Allah le dit dans la sourate 33, verset 21. Il dit Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallahu katsira. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Et comment connaître le modèle du messager aujourd'hui sans aller dans les hadiths pour aller voir un peu sa vie? Sans aller dans les kitabs, donc qui parle de son histoire, etc., pour aller regarder un peu sa vie, comment il était, comment il vivait, etc. Tu vas forcément rentrer dans les hadiths pour connaître la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et même dans le verset 31, qu'on vient de finir, il a dit quoi? Il dit, « In kuntum tuhibuna Allah. » Si réellement vous aimez vraiment Allah, « Fattabi'uni. » Suivez-moi Muhammad, « Yuhibibikum Allah. » Ainsi que, et c'est ainsi que Allah vous aimera en retour, et vous pardonnera vos péchés. Mais quand il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Où est-ce que tu le vois aujourd'hui pour le suivre? Tu ne le vois pas pour le suivre. Mais le suivre, ça veut dire quoi? Suivre ses enseignements. Tu ne peux pas suivre ses enseignements sans suivre les hadiths. Donc, on n'a pas, c'est pas un sujet de débat. C'est juste, en islam, c'est comme ça. Il n'y a pas de parlable, il n'y a pas de débat. La divergence n'a pas commencé aujourd'hui en islam. La divergence a toujours donc existé, naturellement partout, donc même dans toutes les religions, il y a des divergences. Donc ce n'est pas parlable. Mais l'avis que nous donnons ici, c'est que nous ne pouvons pas choisir le Coran et nous détourner de la Sunna, parce que c'est Allah qui a donné le Coran, qui a demandé au prophète de l'expliquer. Et l'explication du Coran, c'est ce qui est aujourd'hui donc l'avis du prophète. Parce que quand on a demandé à Aïcha tout quel est le comportement de ton mari, elle a dit qu'elle n'a pas le Coran. Il était le Coran ambulant. Donc, son comportement était le Coran. Et donc, ses enseignements, ses faits et gestes, c'est tout ça, c'est ce qui regorge. Donc, c'est tout ce qu'on retrouve dans les hadiths authentiques. Et tu ne peux pas aujourd'hui vouloir pratiquer la religion sans t'y référer. Et ceux même qui disent que les hadiths ne sont pas. On ne doit pas travailler avec les hadiths. Mais comment ils font la salat quand ils prient? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont sorties de la salat, comme la taïa, etc. Ils te disent que. La taïa n'est pas dans le Coran, non, eux ne récitent pas, etc. Mais mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'autres choses même qui ne sont pas dans le Coran que tu fais toujours dans la salat. Quand tu t'arrêtes sur la natte et que tu dois commencer la salat, quand tu dis Allahu Akbar avant de commencer la salat, le takbiratul ihram que tu fais au début de la salat, ce n'est pas écrit dans le Coran, mais c'est dans les hadiths. Mais pourquoi tu fais ça? Le takbiratul ihram, Allahu Akbar au début de la salat là. Pourquoi tu fais? Ce n'est pas dans le Coran. Allah n'a pas dit dans le Coran, avant de prier, faites Allahu Akbar. Ce n'est pas écrit. Mais tu le fais pourquoi? C'est dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et encore, le fait de lever les mains en faisant ce takbiratul ihram, c'est bien dans le Coran, oui. Mais quand tu es en genouflexion, n'est-ce pas en ruku, c'est-à-dire en genouflexion, et tu vas directement en prosternation, pourquoi après le ruku, tu te redresses d'abord, avant de partir en genouflexion? Le fait de rester en ruku et puis se relever, se retrouver dans le Coran, ça c'est dans la sunna, c'est dans sa manière, donc dans les hadiths que tu as découvert ça. Donc si on veut aller sur cette base-là, il y a beaucoup, c'est-à-dire vous ne pouvez pas pratiquer la religion sans les hadiths, c'est impossible. C'est-à-dire pendant que vous êtes en train de combattre les hadiths, mais dans l'ignorance, vous pratiquez encore des hadiths sans savoir. Vous voyez? Donc on continue. Allah il dit... Il dit, Ya Rasulallah,
Atiullah, obéissez à Allah, wa Rasoula et obéissez au messager. Fa in tawallaw, mais si vous vous en détournez, si vous tournez le dos, Allah et à son messager, fa inna Allah, sachez que Allah, certes, la yuhibul kafirin, Allah n'aime pas les mécréants, il n'aime pas les. Allah n'aime pas les mécréants en fait. Voilà, donc il n'aime pas les infidèles en d'autres termes. Partagez, partagez, partagez le direct, partagez le tafsir, inshallah. Et Allah continue en disant Inna Allah astafa Adam. Il dit Allah a certes élu Adam. Il l'a élu. Astafa, il l'a honoré. Il l'a élevé. Donc, wa Nuhan ainsi que Noé, Nuh alayhi salam. Effectivement, Allah a élevé Nuh alayhi, Adam alayhi salam. Faut savoir que Allah a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatures. Mais quant à l'être humain, Allah l'a certes honoré, comme il le dit. Wa laqad karramna bani Adam. Allah dit certainement qu'il a honoré l'être humain, que Ramna Bani Adam. Allah a tellement honoré l'être humain, subhanallah, de toutes les créatures qui existent. Ouais, il a créé Adam de ses propres mains. Il a créé Adam de ses propres mains. Pendant qu'il a créé les autres dans le, par le kun fayakun, la formule de soi et il est, ou soi et c'est. Mais quant à Adam, il l'a créé de ses propres mains. Il l'a honoré, hein, de toutes les créatures, il l'a créé de ses propres mains. Ça fait déjà un privilège. Deuxièmement, quand il a créé Adam, il a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam, subhanallah, quel honneur. Il a demandé à tous les anges de se prosterner devant Sayyidina Adam, alayhi salam. Oui. Donc il a honoré Adam et de plusieurs manières. Oui. Et continue en disant, wa Nuhan. Il a aussi honoré Nuh, alayhi salam. Des enfants d'Adam, c'est le premier grand messager qui a été envoyé donc, sur la terre, hein, aux êtres humains qui ont déserté, qui ont laissé le fil du monothéisme et qui se sont adonnés à l'idolâtrie, l'adoration des idoles, etc. Le premier grand messager qu'Allah a envoyé parmi les Oulil Azmi Minar Rusul, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam. Donc Allah l'a honoré et de. Son ministère prophétique a duré près de 950 ans. 950 ans, son ministère prophétique. Appeler les gens à Allah. Donc Allah l'a honoré certainement, Sayyidina Nuh alayhi salam. Et Allah continue, il dit, wa ala Ibrahim. Et certainement, Allah a aussi honoré et élevé la famille d'Ibrahim alayhi salam. Oui, Ibrahim, dont Allah il parle dans le verset 125 de la sourate 4. Il dit, وَتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا. Ibrahim était l'ami intime d'Allah. C'était son ami. Allah l'a honoré. Le père de la foi. Subhanallah. Et donc, Allah il dit qu'il a également honoré la famille d'Ibrahim. Parce que Ibrahim, alayhi salam, était un prophète et pas n'importe lequel, un prophète messager. Et en même temps, ami d'Allah. Et Allah l'a honoré et a honoré sa famille en faisant de ses enfants aussi des prophètes et des messagers, bien sûr. Sayyidina Ismaïl, comme il le dit dans la sourate du Neuf, Waskur fil kitab Ismaïl, innahu kana sadiq al-wa'di wa kana rasul al-nabiyya. Donc Ismaïl alayhi salam était un véridique et il était un prophète et messager. Allah a fait de son fils encore le petit frère d'Ismaïl alayhi salam qui est Ishaq. Allah a fait d'Ishaq encore un prophète. Donc ainsi de suite, même ses petits-enfants, l'enfant d'Ishaq qui était Yaqub. Yaqub a été encore un prophète, etc. Donc Allah a honoré Ibrahim ainsi que sa famille en faisant de lui un prophète, ses enfants des prophètes, ses petits-enfants des prophètes, ses arrière-petits-enfants des prophètes. Donc Allah l'a honoré. Wa ala Imran. Et c'est ainsi qu'Allah a honoré aussi la famille d'Imran. Donc, il a honoré la famille d'Imran. Imran ici est le grand-père de Sayyidina Isa alayhi salam. Le grand-père de Nabi Isa, c'est de ce Imran dont on parle ici. Et non Imran, le père de Moïse et d'Aaron. Parce que le prophète Moussa, qui est Moïse, alayhi salam, et Aaron, donc qui est Aaron, alayhi salam, leur père s'appelait Imran. Et beaucoup de nos frères chrétiens ne savent pas faire la différence entre Imran, qui était le père de Moïse et Aaron, et Imran, qui était le père, le grand-père
donc de Jésus qui était le père de Marie, mère de Jésus. C'est deux Imran différents. Voilà. Donc ici, Allah il dit wa ala Imran et il a honoré la famille d'Imran. Donc Imran lui-même étant donc honoré par Allah, vous voyez, il y a une sourate entière même qui porte son nom, Imran. Et encore sa fille Myriam, donc appelée Mariam, qui a été honorée. Donc tout le monde connaît l'histoire de Sayyidatou Mariam, chrétien comme musulman. Et encore elle qui a eu encore son fils Isa, qui est le petit-fils d'Imran, donc qui était encore prophète et messager, l'un des grands même d'ailleurs, donc envoyé aux enfants d'Israël, le Messie des enfants d'Israël. Et vous voyez que Allah a honoré la famille d'Imran. Et Allah il dit, Allah l'alamin. Allah les a honorés au-dessus de tous les êtres humains, de tous les autres êtres humains dans le monde. Allah les a placés au-dessus de tous les êtres humains. Donc c'est ça, il dit, Inna Allah, certes Allah, astafa Adam. Allah a honoré, élevé et glorifié Adam. Hein? Il l'a élevé donc en degré. Wa Nuhan, ainsi que Noé, que Nuh alayhi salam, wa ala Ibrahim, ainsi que la famille d'Ibrahim, wa ala Imran, ainsi que la famille d'Imran, ala al-alamin, au-dessus de tous les hommes, au-dessus du monde. Allah les a élevés et les a honorés. Et il dit, Zuriyatam ba'duha min ba'd, en faisant de ces familles-là une seule lignée, ça dit, Zuriyatam ba'duha min ba'd. Donc, en les honorant, Allah a fait de leur postérité une seule lignée, une seule grande postérité, une seule lignée. C'est-à-dire, quand il regarde Adam, c'est lui qui a donné naissance à ses enfants qui se sont enfantés jusqu'à Noé, alayhi salam. Donc, Noé est descendant d'Adam. Noé aussi, lui, lorsque Allah a envoyé le déluge pour anéantir le monde, donc Noé et ceux qui sont montés dans la barque, ceux que Allah a sauvés avec lui, ceux qui sont venus s'accoupler, donc qui se sont multipliés sur la terre jusqu'à Ibrahim, alayhi salam. Donc, il est descendant de Noé. Et Ibrahim, alayhi salam, le père de la foi, c'est lui aussi qui a donné naissance à Ismaïl. Et d'Ismaïl, alayhi salam, le prophète Mohammed est sorti. Et d'Isaac, qui est encore enfant d'Ibrahim, est sorti donc les descendants des enfants d'Israël jusqu'à Imran. Imran qui a mis au monde, qui était maintenant père de Marie. Marie qui a eu donc Isa, alayhi salam, qui est Jésus-Christ. Donc voici un peu, Allah dit, et tout cela, leur postérité n'était qu'une seule lignée. Et Allah les a placés au-dessus de tous les hommes. Wallahu, Allah est certes Sami'un, celui qui entend, Alimun, et qui sait tout. Rien ne lui échappe et rien n'échappe à sa vigilance. Iz qalat imra'atu Imran Rabbi, et dit, et lorsque la femme d'Imran a dit, oh Seigneur. Ici, la femme d'Imran, je parle ici Imran, le père de Marie, Marie, mère de Jésus. Donc, Imran, grand-père de Jésus, qui n'a rien à voir avec Imran, le père de Moïse et d'Aaron. Je répète à cause de mes frères chrétiens qui comprennent souvent mal donc, ces passages. Donc, lorsque Imrata Imrana Izqalat Rabbi, la femme d'Imran a dit, oh Seigneur. Et la femme d'Imran ici n'était rien d'autre que Anna. Anna était la femme d'Imran, donc la mère de Sayyidatou Mariam. Donc Marie, sa mère s'appelait Anna. Donc c'était la femme d'Imran. Bien. Donc, lorsqu'elle a dit, Rabbi, oh Seigneur, Inni nazartu lak ma fi batni muharraran. Non, elle dit, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Je te le dédie, je te le donne, je te l'octroie, je te le voue en toute exclusivité. Accepte-le de ma part. Fatakabbal minni. Je te demande de l'accepter. Daigne l'accepter de ma part. Donc, ici, elle était donc enceinte, elle portait en son sein un enfant, un bébé, donc et elle avait voué un vœu à l'Éternel en disant à Dieu que l'enfant qu'elle porte en son sein, lorsque cet enfant-là verra le jour, lorsque l'enfant naîtra, l'enfant sera voué que au service de l'Éternel Dieu.
qu'au travail du temple, elle allait donc vouer cet enfant-là, rien que pour la cause de Dieu, elle allait déposer l'enfant-là au temple pour servir l'Éternel et rien d'autre en dehors du service de Dieu. L'enfant allait faire que le travail de Dieu. En formulant ce vœu, elle avait l'intention naturellement que cet enfant soit un homme. Elle s'attendait à un homme, c'est pourquoi elle l'avait voué au travail de Dieu. Elle avait voué à le consacrer au service du temple. Donc c'est pourquoi elle dit, je te le voue et daigne Seigneur l'accepter de ma part. Et elle dit, fatakabbal minni, donc accepte-le de ma part, accepte ce vœu que je te fais. Innaka, certes tu es anta toi, Sami ou celui qui entend les invocations, alors accepte mon invocation, El Alim, celui dont rien n'échappe à sa vigilance, celui qui sait tout, alors tu sais mon intention et tu sais que je suis sincère. Donc dans ce que je fais comme promesse, alors accepte ma promesse, accepte mon vœu, accepte donc cet enfant à ton service. Et donc, Allah dit, « Falamma wada'atha » et lorsqu'elle eut mis cet enfant au monde, lorsqu'elle a accouché donc de cet enfant, lorsqu'elle a donné naissance donc à cet enfant, Kalat, elle dit aussitôt, Rabbi, oh mon Seigneur, inni wada'atuha. Elle dit, inni wada'atuha unsa. J'ai accouché d'une fille. J'ai mis au monde une fille. En d'autres termes, j'ai donné naissance à une fille. Vous voyez, elle avait déjà formulé un vœu en disant à l'Éternel, Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Je te voue ce qui est en mon sein et daigne l'accepter, Seigneur, de ma part. Accepte cet enfant-là, je te le donne. Je te promets de laisser cet enfant rien que pour ton service, le consacrer au travail du temple. C'est toi, Allah, que cet enfant servira jusqu'à sa mort. Je te le confie, je te le voue et je te l'octroie. Et accepte-le, fatakabbal minni. Et donc, après avoir maintenant mis au monde cet enfant, elle s'est vue en face d'une fille. Elle s'est vue donner naissance à une fille. Et falamma wada'atha, lorsqu'elle a accouché, kalat, elle dit, Rabbi, oh Seigneur, inni wada'atuha unsa. Mais c'est une fille que j'ai mise au monde. Vous voyez? En fait, c'est une manière de dire, j'avais voulu te consacrer cet enfant-là, consacrer cet enfant à ton service, à te servir dans le temple, mais voici que c'est une fille que j'ai mise au monde. Et Allah, il va continuer en disant, Wallahu a'lamu bima wada'at. Et Allah sait très bien ce que tu as mis au monde, puisque c'est Allah même qui a mis cette fille dans ton sein. C'est Allah qui a mis cet enfant dans ton sein. Donc Allah, il sait même avant ta naissance que c'était déjà une fille. Allah, il sait ce que tu as mis au monde, Mariam. Ne pouvez pas dire Anna, la mère de Mariam. Allah, il sait très bien cet enfant que tu as mis au monde. Allah, il sait très bien que c'est une fille. En fait, c'est une sagesse ici, en fait. Allah, il savait très bien que Anna, son intention était d'avoir un homme, un garçon et le mettre au service d'Allah. Mais le problème, c'est qu'elle, dans ses invocations, n'avait pas précisé le sexe de l'enfant. Elle n'avait pas demandé à Allah, donne-moi. Donc, Allah a beaucoup de types d'enfants. Quand tu dis Allah, donne-moi un enfant et que tu ne précises pas ta demande, il peut te donner une fille comme un homme. Il peut te donner n'importe quel type d'enfant. Donc, il faut préciser. Quand tu invoques, il faut préciser. Dans l'invocation, il faut être précis. N'est-ce pas? Donc, c'est un enseignement qu'Allah y donne ici. Donc, elle-même, elle est étonnée à la naissance. Elle dit, mais c'est pas ce que, c'est pas, hein, sa manière de parler prouve que c'est pas, elle ne s'attendait pas à ça, en fait, à une fille. Et elle dit, j'ai accouché d'une fille. Et Allah, il dit, il réplique, il dit, mais Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah, il sait très bien. Donc, de ce que tu as accouché, il sait très bien que c'est une fille. Mais Walaysa zakaru kel unsa. Mais pourquoi elle était étonnée? Parce qu'elle sait très bien. Walaysa zakaru kel unsa. Un garçon n'est pas pareil à être une fille. Surtout dans le cadre de l'adoration. L'homme n'est pas pareil à la fille. Vous voyez, il y a un moment de la femme, quand la femme, il y a une période de la femme, hein, donc au moins une fois par mois, elle est en période donc de menstruation, vous allez m'excuser du terme, ou lorsqu'elle est indisposée, elle ne peut pas en ce moment servir Dieu dans le temple parce qu'elle est dans une période d'impureté. Donc spirituellement, elle est impure. Elle ne peut pas donc alors entrer dans le temple pour servir Dieu. Alors que l'enfant ici que Marie m'a promis,
L'enfant devait servir l'Éternel pour toujours dans le temple. Mais quand c'est une fille, c'est impossible parce qu'il va arriver un moment où elle ne pourrait pas servir l'Éternel dans le temple. Elle va devoir s'éloigner parce qu'elle serait impure. Elle ne pourra pas prier, elle ne pourra pas jeûner, etc., ni toucher à la Torah, etc., etc. Donc en ce moment, Mariam était vraiment découragée. C'est pourquoi il est écrit ici, la femme et l'homme et le garçon ne sont pas pareils. Vous voyez, dans ce domaine, ça fait un. Et dans plusieurs autres domaines, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Parce que quand nous voyons des gens aujourd'hui qui dénaturent les choses, qui essaient de déformer les choses de la nature, en faisant de l'homme et la femme des égaux dans la société, dans la vie conjugale, dans tout, je dis non. Dans certains domaines, l'homme et la femme peuvent être égaux, et même la femme pourrait être même au-dessus de l'homme dans certaines choses. Bien sûr que si, dans certains domaines, la femme même est au-dessus de l'homme, ça on est d'accord. Mais ce n'est pas dans tous les domaines. Dans le domaine où il ne faut jamais commettre l'erreur de dire que la femme et l'homme sont égaux, c'est dans le foyer. L'homme et la femme ne seront jamais égaux dans le foyer. Parce que ça serait même contre nature. Vous voyez? Ce serait contre nature. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Ça va non seulement déstabiliser la famille, ça va jouer sur l'éducation des enfants, ça va détruire les liens familiaux, détruire l'amour qui est entre eux, etc. Parce que c'est contre nature, en fait. Aucun livre saint, dans aucun des livres saints, tu verras où il est écrit que dans le foyer, dans la vie conjugale, l'homme et la femme sont égaux. Ça n'existe pas, ni dans la Bible, ni dans le Coran. La Bible est claire. Femme, soumets-toi à ton homme. Homme, aime ta femme, ton épouse. Ouais. Quand c'est l'homme, même dans la Bible, Dieu sait faire la part des choses. Il ne dit pas à l'homme de se soumettre parce que ce n'est pas à lui de se soumettre. Il dit, aime ta femme. Parce que quand tu l'aimes, tu as pitié d'elle. Quand tu l'aimes, tu ne peux pas la traiter comme une esclave. Quand tu l'aimes, tu ne peux pas la faire souffrir. Quand tu l'aimes, tu ne vas pas la chosifier, etc. Quand tu l'aimes, tu vas la considérer. Quand tu l'aimes, en fait, tu seras là pour elle. Donc, mais la femme, quant à elle, l'Éternel est clair. Il dit, femme, soumets-toi à ton homme. Donc, chacun a son rôle à jouer, en fait. N'est-ce pas? Donc, dans le foyer, il ne faut même pas essayer même. La femme, c'est la soumission. On sait que dans le Coran, Allah défend les droits de la femme. Ça, c'est clair. On n'est pas en train de dire ici que la femme est esclave. Et quand on parle de la soumission de la femme, qui est différente de l'humiliation de la femme, on ne dit pas que la femme doit être humiliée dans son foyer. Non. L'humilité est différente de l'humiliation. Donc, ici, je répète encore. La femme a des droits équivalents à ses devoirs dans le foyer, mais elle ne sera jamais égale à l'homme dans le foyer. La preuve, vous avez déjà vu deux présidents qui gouvernent un pays ensemble. Donc vous êtes quitté où avec cet esprit-là? Montrez-moi un seul pays où il y a deux présidents qui gouvernent ensemble en même temps. Ça n'existe pas. Montrez-moi un gouvernement qui est dirigé par deux premiers ministres en même temps. Ça n'existe pas. Une mairie qui est dirigée par deux maires élus ensemble en même temps. Non. Vous allez voir un président. On ne va pas te dire que c'est le co-président qui est là qui dirige le pays. Non, mais le vice-président. Il y a des vices. Dans la mairie, tu vas voir des adjoints au maire. Tu vas voir. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Il y a toujours une tête. Il faut un amir. Hein? Il faut un amir. Il faut la tête. Il faut un chef. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Ne le dit-on pas? Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Donc, il ne peut pas avoir deux leaders dans la famille. Il y a le chef de famille qui est là. Et la femme doit connaître la place de son homme. Elle doit savoir que mon homme est le chef de famille. C'est le patron, n'est-ce pas? Et l'homme doit savoir que sa femme est une aide pour lui et non une esclave. Il ne doit pas la chosifier, etc. Il doit l'aimer en retour. Et elle doit se soumettre à son homme, etc. Donc, chacun a la part, a sa part à faire. Donc, la famille, c'est comme un gouvernement. L'homme est le président de la République, c'est le chef d'État. Donc, c'est lui qui occupe la magistrature suprême à la maison. C'est lui qui est le ministre du Travail. C'est lui qui doit travailler pour nourrir donc, la famille. Il est le ministre de l'Économie et des Finances. C'est lui qui finance la popote et toutes les dépenses de la famille, etc. Donc, il est celui qui a l'autorité absolue, en fait, en d'autres termes. N'est-ce pas? Donc, il est le président, il est le chef du gouvernement, il est le ministre de la Sécurité. C'est lui qui doit mettre sa famille en sécurité, etc. Comme j'ai dit, il est le ministre du Travail, c'est lui qui travaille pour nourrir la famille, il est le ministre des Finances, c'est lui qui finance tout, etc. La femme aussi a son rôle. Elle aussi, elle est ministre de l'éducation à la maison. Donc, c'est elle qui gère tout ce qui est éducation des enfants. Pendant que l'homme est au travail, c'est elle qui veille sur les enfants à la maison, etc. Donc, elle aussi, elle est ministre
la salubrité, etc., etc., ministre de la Santé, ministre des Temps, etc. Donc, c'est elle qui gère toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, chacun a un rôle à jouer. Mais dire que l'homme et la femme sont égaux, non. Administrativement parlant, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des DG hommes, des DG femmes, des ministres hommes, des ministres femmes, il n'y a pas de problème. Dans la société, au niveau du boulot, il n'y a pas de problème là-bas. Mais dans le foyer, même toi, madame, tu es ministre, tu es présidente de la République, ton mari est un simple maire, un simple directeur d'une entreprise. Quand tu rentres à la maison, là, ton titre de ministre, tu déposes et puis tu te soumets à ton mari. C'est ça même la loi de la nature. Et c'est ce qui est juste. Maintenant, spirituellement parlant aussi, l'homme et la femme peuvent être égaux, spirituellement parlant. Et spirituellement parlant aussi, la femme même peut dépasser l'homme dans l'adoration. Parce que si toi, un homme, toi, tu ne pries pas bien, tu n'es pas ancré dans la spiritualité, tu n'apprends pas à connaître ta religion, tu n'adores pas Dieu comme il le faut, mais ta femme est pieuse, elle a appris le Coran, elle adore Dieu comme il le faut, elle jeûne comme il le faut, elle est dans le tawhid, etc. Donc, elle va te dépasser spirituellement. Hein? Naturellement, elle va te dépasser spirituellement. Donc, Allah, il va l'élever à un niveau où, voilà... Quand elle va invoquer Allah matin, d'ici le soir, même elle-même, elle est déjà exaucée. Mais toi, tu as fait des semaines en train d'invoquer Allah parce que tu n'as pas un bon comportement, n'est-ce pas? Donc, spirituellement, Allah élève celui qui le craint, n'est-ce pas? Allah, il n'a pas fait accepter l'homme ou femme. Non, 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 tout le monde mélangé là-bas. Celui qui craint le plus, c'est lui qui est le meilleur auprès d'Allah, que ce soit homme ou femme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, il dit « Walaysa zakaru kal unsa » Et l'homme et la femme ne sont pas égaux. C'était dans un contexte bien précis ici, parce qu'elle sait qu'au service d'Allah dans le temple, la femme n'aurait pas pu servir Dieu dans le temple comme l'homme, parce qu'il va arriver un moment où elle sera indisposée, elle devra s'éloigner du temple parce qu'elle serait impure. Et vous pouvez lire même depuis l'Ancien Testament dans Lévitique chapitre 15, vous verrez ça même dans la Bible à partir du verset 16 et suite. Donc, et on continue ici. « Wa inni sami'tuha Maryam » Donc, et elle dit... Ici, je la nomme et je la baptise Mariam. Donc, je l'ai appelée Mariam. Donc, elle a donné le nom Mariam à sa fille. Je parle ici de Anna. Anna, épouse d'Imran. Donc, Imran et Anna sont les parents de Mariam, mère de Jésus. Wa inni uizuha bika. Et elle continue en disant, je la mets encore sous ta protection. Oh, toi, Allah, mon Seigneur. Je la place sous ta protection, wa zurriyataha, ainsi que elle-même sa descendance, je la place sous ta protection. Mena shaitan rajim, contre le diable banni, rejeté, lapidé et maudit. Ouais, il y a plein d'enseignements ici. D'abord, lorsqu'elle a accouché et qu'elle s'est rendue, d'abord avant l'accouchement, elle avait déjà formulé l'intention de consacrer cet enfant au service de l'Éternel Dieu. Moi, je ne demande pas de ne pas mettre ton enfant à l'école ou dans un autre domaine de la vie ou autre. Non. Mais tu dois déjà avoir une intention positive de dire que, même si ce n'est pas pour consacrer ton enfant 100%, c'est-à-dire rien que pour la cause de Dieu, tu peux mettre ton enfant à l'école. C'est normal. C'est que, voilà. Mais déjà, il faut avoir l'intention d'enseigner à cet enfant déjà les bases de sa religion depuis sa naissance. Lui enseigner son Dieu, sa religion, etc., etc. Donc, déjà, tu dois avoir cette intention déjà. Cet enfant, Allah, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais lui enseigner ta religion, je vais lui enseigner qui est son Seigneur, les vraies valeurs morales et spirituelles, etc., etc., de la religion, etc. Donc, du coup, tu dois déjà formuler cette bonne intention. Et quand l'enfant naît, c'est effectivement son droit sur toi, c'est un droit de l'enfant sur leurs parents, des enfants sur leurs parents, de leur enseigner leur religion depuis le bas âge. N'est-ce pas? Tu dois déjà consacrer l'enfant à l'adoration de Dieu. Tu dois l'exhorter à l'adoration de Dieu. Tu dois lui enseigner l'adoration de Dieu. Tu dois lui enseigner son Dieu, les principes de sa religion de base, etc. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continue encore, elle dit, cet enfant encore, depuis tout petit, elle a commencé à invoquer l'Éternel. Et en plaçant l'enfant déjà sous la protection de Dieu, et pas sa fille seule, pas l'enfant seul, l'enfant et même la postérité de l'enfant qui n'est même pas encore venu à l'existence. L'enfant même qui est à l'étape de bébé d'abord, elle place même la descendance de cet enfant sous la protection de Dieu avant même que l'enfant ne grandisse même pour avoir une postérité. Vous voyez, c'est très important pour les parents. En fait, c'est une leçon en fait. Donc, chaque parent doit déjà depuis à la naissance de son bébé commencer à prier déjà pour l'enfant.
Priez contre le diable. Priez contre ses tentations. Priez pour l'avenir de l'enfant. Priez même pour la postérité de l'enfant, etc. Tu dois placer l'enfant dès son bas âge sous la protection de Dieu, etc. Je vois des gens aujourd'hui qui mettent les enfants au monde, qui les exposent au diable, qui les exposent sur les réseaux sociaux, qui prennent les enfants. En fait, je ne sais pas quoi. Comme si ton enfant, c'était, je ne sais pas, un prix Nobel, une coupe, je ne sais pas, un trophée. Oui, je ne sais pas. Sur les toiles, partout, exposé comme ça. Subhanallah. Ne faites pas ça. Donc ici, je répète, une fois de plus, l'enfant doit être consacré depuis le bas âge. L'enfant, tu dois prier en sa faveur. Confier l'enfant à Dieu, placer l'enfant sous la protection divine, invoquer l'Éternel dans ce sens pour l'enfant, etc. Comme la mère de Sayyidatou Mariam l'a fait. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'effectivement, Mariam a été protégée. Vous voyez, cette jeune fille a été bien éduquée, bien élevée, bien protégée. Elle n'a jamais connu ce qu'on appelle la fornication et l'adultère, ni quoi que ce soit de péché. Elle a été chaste. Elle est restée, vierge, etc. Vous allez m'excuser du terme. Voilà, au point même où certains l'appelaient la Vierge Marie, etc. Elle est restée comme ça jusqu'à ce que l'Éternel décide d'opérer un miracle à travers elle en lui donnant un enfant. Et encore un enfant pieux, au point même de lui donner un enfant même qui était prophète et messager, qui est Nabi Isa, c'est Na Isa alayhi salam. Vous voyez? Parce que depuis les grands-parents, la grand-mère de Isa, qui est donc la mère Anna de Mariam, avait déjà commencé à prier pour son enfant, mettre son enfant sous la protection divine, etc. Et c'est ce qui a conduit cet enfant-là comme ça. Le diable n'a pas pu se réjouir de son sort, n'a pas pu s'approcher d'elle ni la manipuler, etc. Donc, ne jouez pas avec vos enfants. Vos enfants, vous devez vraiment prier pour eux, etc. Et surtout, ne jouez pas avec leur éducation. C'est très important. Donc, Allah dit, « Fatakabbalaha rabbuha bitkaboulin hassan » Et donc, Dieu a reçu effectivement cette petite fille en sa grâce. Donc, les prières que la mère a faites en la confiant à Dieu, en demandant à Dieu, « Fatakabal minni, accepte donc cet enfant, daigne l'accepter de moi, je te l'avoue, je te la dédie, je te la donne, etc. Je te la confie, protège-la, elle et sa descendance contre le diable, etc. » Toutes les doigts, toutes les bénédictions qu'elle a faites à l'endroit de son enfant, Allah, il dit quoi ?« Fatakabbalaha rabbuha » Allah a accepté ses doigts. Il a exaucé. Il a accepté cette petite fille, Mariam, ce bébé. Donc, il a accepté Bikaboulin Hassani de la meilleure des façons. Allah l'a accepté. Wa ambataha nabatan hassana. Et il l'a fait croître d'une meilleure croissance. C'est-à-dire, il a fait croître que cette fille a grandi. C'est-à-dire, elle a eu une éducation. Elle a vieilli, etc. Elle a eu une croissance tellement glorieuse, tellement miraculeuse, tellement bénie, etc. C'est-à-dire, Allah lui a accordé toutes les faveurs. Il l'a fait croître de la meilleure de croissance en la protégeant contre le shaitan, en l'honorant, etc. Donc, Allah lui a accordé toutes les faveurs, toutes les grâces durant son enfance. Elle a grandi de cette bonne manière. Elle a vieilli tranquillement, etc. Donc, elle a été protégée par Allah lui-même. Et continue, wa kafalaha Zakaria. Et elle a été confiée, sa garde a été confiée à Zakaria dès son jeune âge, dès son enfance. Elle a été sous la garde de Zakaria. Zakaria qui était le père de Jean-Baptiste, Sayyidina Zakaria alayhi salam, c'est lui qui était le tuteur de Sayyidatou Mariam, c'est lui qui l'a élevée depuis toute petite lorsque elle a perdu ses parents. Lorsque Imran est parti, Anna, sa mère, est partie. C'est Zacharie qui a été chargé donc, de l'élever, de l'éduquer, etc., etc. Donc, sa garde a été confiée à Zacharie. Et le Coran dit, « Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab » Et chaque fois que Zacharie rentrait dans le temple pour rendre visite à Sayyidatou Mariam, lorsqu'il rentrait, « Wajada indaha rizqan » Il trouvait auprès d'elle beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Il trouvait des fruits de tout genre. Toutes les qualités de fruits que vous pouvez, toutes les qualités de fruits que vous pouvez imaginer étaient autour d'elle. Toutes les qualités de nourriture, en tout cas, qui étaient, que Mariam aimait, en tout cas, voilà.
les nourritures vitamineuses, etc. En tout cas, bonnes pour la croissance, pour l'alimentation. Toutes les bonnes nourritures étaient autour d'elle. Parce que Zacharia pouvait sortir, aller en brousse, chercher des fruits, chercher de quoi manger pour lui donner. Seulement, c'était la saison dans laquelle trouver la nourriture était très difficile. La saison sèche où les arbres ne faisaient pas beaucoup de fruits. Donc, c'était pas facile. Donc, il partait, il se promenait, il faisait toute la journée. Souvent, il revenait les mains vides, il ne trouvait rien. Mais quand il venait, il craignait, il dit, ah, mais cette petite, je l'ai laissée à la maison, et je suis sorti toute la journée chercher de la nourriture, je n'ai pas pu avoir quelque chose à manger pour elle. Mais quand il vient stressé, sachant pas ce qu'il va lui donner à manger, quand il rentre dans le temple, il trouve qu'autour d'elle, il y a toutes sortes de nourriture déposées là. Subhanallah. Donc lui-même, il était vraiment étonné. Au point, il pose la question, Qala ya Maryam. Il dit, Oh Maryam, anna laki haza. D'où te viennent toutes ces nourritures-là? D'où est-ce que tu as toutes ces nourritures? Hein? Qui te les a données? Il pose la question, il est étonné. Lui-même, Zacharie, alayhi salam. Palat, elle répond, Hua min indillahi. Tout ceci me vient de la part d'Allah. Hua min indillah. Tout ceci me vient de la part d'Allah. Inna Allah, Allah est certes. Yarzuku mayyasha'u, c'est lui certes qui donne de ses bienfaits à qui il veut parmi ses serviteurs. Il donne de son risque, de sa richesse, de son bien à qui il veut parmi ses serviteurs, bighayri hisab, sans même calculer, sans compter. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que Mariam répondait à Sidina Zakaria depuis toute petite. Elle croyait en Dieu et avec la permission d'Allah, les anges venaient toujours lui déposer donc les nourritures du paradis dans le temple. Elle mangeait tranquillement et quand Zacharia venait, après avoir cherché de la nourriture fatiguée, il ne trouvait rien. Quand il venait le soir découragé, dans le temple, il trouvait autour de Mariam, il y avait toutes sortes de nourritures. Et quand il lui posait la question, d'où est-ce que te viennent toutes ces belles nourritures? Elle répondait, Hua min indillah, tout ceci me vient de la part d'Allah. Inna Allah yarzuku man yasha'u. Allah, il donne de son bien, de son risque, de sa richesse à qui il veut. Donc, parmi ses serviteurs, bien ghayri hisab, sans compter et sans calculer. Donc, Inch'Allah, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va aller tout doucement, Inch'Allah. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Et je répète encore une fois de plus, je vais vous demander de ne pas oublier d'aider la DDR, de contribuer à la réalisation de la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis, le grand projet de la DDR, le projet de l'islam, le projet de tous les musulmans. Ce n'est pas le projet des membres de la DDR seulement, mais c'est le projet de tous les musulmans, c'est le projet de l'islam. Les convertis sont des musulmans, c'est le projet de la Oumma. Alors tous les musulmans doivent se sentir responsables et relever le défi de la construction, de la réalisation de cet édifice-là. Wallahi, chaque musulman doit se sentir responsable, chaque musulman doit se sentir concerné, chaque musulman doit s'impliquer et chaque musulman doit contribuer. Que ta contribution soit à hauteur de 500 francs, de 1000 francs, etc., aidez-nous à réaliser cet édifice-là. Depuis qu'on a commencé à lancer l'appel dans ce mois béni de Ramadan, vous avez commencé, beaucoup ont commencé à donner beaucoup d'appels et nous vous demandons de continuer. On va vous faire le point bientôt, très bientôt, de tout ce qu'on a pu avoir déjà et pour que vous sachiez combien nous reste encore, on va vous donner les détails, Inch'Allah, à travers un direct. Donc, le projet même, on va vous montrer le plan et ça fait combien le budget, etc. Et quand on va vous montrer le budget, donc le devis. Et on va vous dire combien est rentré et on saura combien reste. Et Inch'Allah, on va continuer. Mais on vous demande, Inch'Allah, le chemin est encore long. Mettez encore les mains dans la poche. Aidez, soutenez la cause d'Allah. Intansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Si vous contribuez à aider la cause, à soutenir la cause d'Allah, Allah vous soutiendra, il vous aidera dans tout ce que vous faites et vous raffermira dans tout ce que vous faites. Vous serez raffermis dans vos couples, dans vos foyers, dans vos lieux de travail. Allah vous bénira également et vous aidera en retour. Allah a besoin de
votre aide pour que vous puissiez être sauvé. Quand j'ai utilisé le verbe ici, j'ai utilisé le terme en disant Allah a besoin. En fait, Allah n'a besoin de rien. Mais c'est pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire tout simplement. Quand Allah il t'appelle, aide sa cause, que ce soit toi, que ce soit pas toi, que ce soit moi, que ce soit pas moi, Allah n'a pas besoin de nous pour élever sa religion. Il n'a pas besoin de nous pour donc mettre sa cause au-dessus de toutes les causes. Non. Allah n'a besoin de personne. Mais c'est nous qui avions besoin d'Allah. C'est nous qui avions besoin de ça pour que par ce geste-là, Allah puisse nous aider nous-mêmes, nous pardonner nos péchés et nous récompenser par le paradis. Donc quand Allah dit aider sa cause, quand Allah vous appelle à venir l'aider, il n'a pas besoin de ton aide. Mais c'est pour que tu viennes t'aider toi-même, tout simplement. Donc venez soutenir la cause d'Allah et Allah va vous soutenir. Venez aider la cause d'Allah, Allah va vous aider. Allah vous a octroyé ces biens-là. Le jour où vous sortiez du ventre de vos mères, du sein, donc de vos mères, vous n'êtes venu avec rien sur la terre, ni avec une pièce de 5 francs, ni avec un billet de 1000 francs, ni avec quoi que ce soit. Même pas une aiguille, vous n'êtes venu avec rien sur la terre. Mais mon frère, ma soeur, tout ce que tu as aujourd'hui, tu me diras que c'est à cause de ton intelligence que tu as eu tous ces biens. Il y a des gens plus intelligents que toi. Quand tu étais à l'école, là, votre premier de classe, là, que tu n'arrivais pas à rattraper, toi tu étais peut-être parmi les 20e là. Aujourd'hui même tu as ton entreprise, lui il est encore là, il a ses diplômes à la maison, il cherche travail, il n'a pas encore eu. Donc tu comprendras que ce n'est pas l'intelligence qui donne la réussite. Il y a des gens qui ont bossé mieux que toi, qui sont intelligents que toi, que toi-même aujourd'hui là tu as embauché. Moi j'ai vu des exemples comme ça. Le monsieur même n'a pas terminé ses études parce que ça n'allait pas. Pour lui, il n'était pas fait pour l'école, tellement qu'il était nul à l'école. Donc il est sorti, il a décidé de faire le commerce. Mais aujourd'hui il est devenu grand commerçant, construit des magasins partout, il est devenu millionnaire. Ceux qui étaient toujours premiers de classe, ils ont eu leur diplôme, il les a pris, il est venu les déposer pour gérer la comptabilité même de ses affaires, etc. Donc vous voyez, donc c'est pour vous dire, ce n'est pas ton intelligence. Si tu penses que c'est la force, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la force. Il y a des gens, aujourd'hui, quand tu regardes leur gabarit, quand tu regardes la force qu'ils ont, ils ont lutté plus que toi. Si c'est le travail physique là, ils ont fait des travaux que toi, tu vas mourir, tu ne peux pas faire. Mais ceux-là, ils ne sont pas encore devenus riches. Si c'est le courage, il y a des gens qui ont été plus courageux que toi, qui n'ont jamais eu ça. N'est-ce pas? Donc c'est Allah qui donne à qui il veut. Et ce que Allah t'a confié, nous te demandons d'enlever une petite partie, une infime partie de ce que Allah t'a donné, qui ne te lésera en rien. On ne te demande pas de donner tout. Allah même te dit, n'oublie pas ta part ici-bas. Donc ce qu'on te demande d'enlever dans ton bien pour donner pour la cause d'Allah, on ne te demande pas de donner même la moitié, ni le un tiers, ni le un quart même. Donne ce que tu peux. Même si par 10 000 francs, tu veux donner 0,05 francs, là, il faut donner. C'est toi qui vois. Mais on te demande de contribuer pour la cause d'Allah. Seulement, chacun sera rétribué selon ses œuvres. Si toi, tu as donné 5 francs, tu seras rétribué aussi à hauteur de 5 francs. Celui qui a donné 500 francs, il sera rétribué à hauteur de 500 francs. Celui qui a donné 10 000 francs, il sera rétribué à hauteur de 10 000 francs. Chacun sera rétribué selon donc, sa capacité, selon ses efforts, selon ses œuvres, etc. Donc, on vous demande de contribuer à cause de vous-même. C'est pour votre propre bien. Et donc, le contact pour la contribution, c'est le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55, Orange Money et Wave. On a aussi le plus 225, le 05 05 40 86 85, qui est MTN Money et Wave. Le plus 225, le 05 05 40 86 85 MTN Money et Wave. Vous avez le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money Flows. Le plus 225, 01 43 66 33 44, Move Money Flows. Et le contact du laboratoire pour tous ceux qui veulent voilà, avoir ce contact pour d'autres choses, ou des questions ou autres, le plus 225 07 09 01 93 47, le plus 225 07 09 01 93 47. Qu'Allah exauce toutes nos prières, nos invocations, nos doigts, tous nos actes d'adoration. Qu'Allah accepte tout ce que nous allons lui demander durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, qu'il nous fasse avoir les mérites de la meilleure des nuits, la nuit qui est meilleure que 1000 mois, qui est la nuit de El Qadr,
la nuit du décret ou en d'autres termes du destin. Nous lui demandons de nous faire avoir les mérites de cette nuit, de la vivre dans la paix, dans la tranquillité, et que par celle-ci nous puissions avoir tous nos péchés pardonnés, nous soyons agréés donc parmi les habitants du paradis et définitivement effacés, rayés donc sur la liste des habitants de l'enfer, et qu'Allah nous en éloigne complètement, Inch'Allah. Qu'il nous donne beaucoup de mois de Ramadan dans notre vie, que ce ne soit pas le dernier mois, mais en même temps, sachez que chaque année, quand nous faisons les doigts pour dire qu'Allah nous donne l'année prochaine, qu'Allah nous donne un autre mois de Ramadan, mon frère, ma soeur, ça ne continuera pas comme ça. Il arrivera un jour où toi et moi, on va réellement vivre notre dernier mois de Ramadan. Sincèrement, ça ne va pas continuer comme ça. L'année passée, on a prié. L'année suivante, on a prié, nous a donné pour l'année passée. L'année passée, on a prié, nous a donné pour cette année. Mon frère, ma soeur, on va prier cette année. Mais sache que il ne va pas continuer à te donner comme ça, parce que tu n'es pas éternel. Un jour, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous va vivre son dernier mois de Ramadan. Et la question que je vous pose avant de terminer, qui ne te dit pas que c'est ton dernier mois de Ramadan cette année? Qui te dit que l'année prochaine tu vivras? Alors si c'est le dernier, mon frère, ma soeur, et il te reste encore quelques jours, ça ne vaut même plus 10 jours, quelques jours, alors profites-en. Ça ne continuera pas comme ça. Qu'on veille ou pas, chacun vivra son dernier mois un jour. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le dernier cette année? Salam alaikum.